Vidéo privée. Problème de chauffage. Fuite sur un réseau de chauffage en métal, hein, ou en fonte, tout ce qu'on veut en métal, sans non gainé. Meilleure solution pour trouver la fuite, la caméra thermique, parce qu'il n'y a pas d'isolant. Ça veut dire si on a une fuite, elle va s'étaler tout le long du sol. Par contre, bien prévenir le client la veille d'éteindre le chauffage pour que nous mettons en route ou le client remette en route la chaudière pour que ça puisse chauffer la dalle à notre arrivée. Et à ce moment-là, avec la caméra thermique, il suffit de longer le réseau et on va le trouver à un moment, la fuite, là où ça fuit, hein, tout simplement, avec un rayonnement de la caméra thermique. Et là, aujourd'hui, on a mis en pression. Par contre, on avait une grosse fuite. J'ai pu régler le réseau d'alimentation pour pas qu'elle tombe en pression ni en augmentant trop, hein, ici. Et puis à partir de là, on se sert de la caméra, pardon. En mode pas en automatique, plus froid, hein, en mode... Attendez, on enlève l'automatique. On va baisser et là on voit mieux, hein. Quand c'est froid on le voit comme ça. Par contre là on suit bien, on a bien un T ici qui va alimenter ce radiateur. Et là on continue. La fuite, elle se trouve exactement ici. Et puis on aurait une toute petite fuite ici. Là. On a une petite fuite ici et une grosse fuite là. Et puis on a un dégât des eaux ici, ici, et puis au fond, hein, tout le long. Hein.